Le 91e anniversaire du président Paul Biya. Un événement qui a occupé cette année les devants de l'actualité camerounaise. Les journaux et réseaux sociaux se sont fait l'écho des festivités fastueuses à Yaoundé et ailleurs. À Kribi, dans le département de l'océan, au bord de la mer, la date anniversaire du président de la République a donné lieu très sobrement à la coupure du gâteau dans les règles de l'art. Une étape de la fête précédée par un banquet spirituel, une messe d'action de grâce célébrée par Mgr Dama Zezinga à Tangana, évêque du diocèse de Kribi. Le cadre est indiqué pour rendre grâce à Dieu, qui est l'auteur de la vie, lui rendre gloire, honneur et puissance, lui qui par son souffle donne la vie et fait naître, fait vivre ce qui n'existait pas. Aujourd'hui est une date quasiment retenu dans les agendas de tous les Camerounais, le 13 février. Non seulement parce que les uns et les autres se préparent à ce qu'il peut se célébrer le 14 février, mais surtout parce que cette date correspond à la date de naissance de notre chef d'État. En début de célébration, l'Assemblée a vécu un temps de préparation pénitentielle avant d'être fixée sur les motivations profondes de l'action de grâce. Chers frères, chers sœurs, merci. Merci d'être venus célébrer avec nous l'anniversaire de notre président de la République, de notre champion. Et la raison pour laquelle nous sommes là, c'est que nous devons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a offert. Vous savez, c'est une grâce exceptionnelle que la terre de 80 ans. Et déjà, lui, il est au-delà de 80, il est à 91 ans. Beaucoup parmi nous ici, nous ne sommes même pas sûrs d'avoisiner cet âge. Je ne dirais pas de la terre. Et c'est l'occasion pour moi de dire que Dieu aime notre président. Il l'aime vraiment, parce que vraiment, ce n'est pas donné à tous. Il me souvient lors de ses récents discours à la nation, et plus récemment encore lors de son discours du 10 février à la jeunesse de son pays. Il est apparu à l'homme déterminé. Il est apparu égal à lui-même. Il est apparu à l'homme avec des connaissances explicites, avec des connaissances naturelles, avec des connaissances bien acquises des problèmes que nous rencontre le Cameroun. Et il est aussi apparu à l'homme soucieux de voir les changements s'opérer parce qu'il voudrait que sa jeunesse soit la meilleure qu'il puisse être. C'est dommage vu que nous savons tous les fléaux qui minent notre jeunesse et plus que nous, en est vraiment conscient. Quoi de plus normal que de rendre grâce à Dieu pour cet homme providentiel qui nous a donné et d'aller au support, s'il vous plaît, et de dire merci, infiniment merci à notre Seigneur pour ses bienfaits et ce qu'il a fait. La célébration s'est voulue un temps de renouvellement de la relation avec le Créateur et la création, un temps de conversion et d'engagement commun. Et je sais que les choses vont aller encore en s'améliorant. Au-delà de cette prière, nous vous demandons pour le président de la République et de son épouse, prions pour la paix dans notre pays. La paix qui est le seul gage pour l'émergence tant voulue par le président de la République, ce mendiant de la paix. Son Excellence, Monseigneur, vos confrères dans le sacerdoce qui sont avec vous cet après-midi, puissiez-vous porter les prières que nous adressons pour le pays, pour le Cameroun, à qui de croire pour que les choses aillent toujours en s'améliorant. Pour vous tous qui êtes venus prendre part à cette messe, je vous dis merci.
Je vous dis merci parce que ça a été un peu plus tard, excusez-moi. Et j'ai voulu que ce soit quelque chose d'assez simplifié, quelque chose pour les gens prier sur le volet. Nous ne sommes pas dans le parti, nous sommes là pour l'anniversaire de notre champion. Nous sommes là pour l'anniversaire de cet enfant prodige, je pourrais dire. Donc merci à vous d'être venu participer à ces moments de prière. Comme on le fait lors des célébrations pour le temps de la création, la messe dite a donné la possibilité à la famille œcuménique de s'unir pour prier. Comme Dieu a accordé le salut et la miséricorde aux autres prophètes et messagers, portant d'Adam, Noé, Abraham, Jacob, Ismaël, Isaac, je ne voudrais pas que nous partions d'ici et que les réseaux sociaux nous mettent au devant de la scène pour dire que nous ne l'avons pas fait. C'est alors pourquoi je voudrais vous inviter, avant d'élever cette prière à l'Éternel. À Kribi, les organisateurs de l'activité, accompagnés par le prophète de l'océan, Nuhu Bello, ont utilisé une formule simple. 91 ans est un âge qui n'est pas donné. Il se veut fête. Tout pouvoir vient de Dieu et ça, il n'est pas le président seulement d'un parti politique, il est le président national. Donc nous devons, tous les Camerounais, autant que cela se peut, nous retrouver pour célébrer cette journée de naissance de notre président de la République. C'est une grâce qui est divine. N'est pas président qui veut, lui-même il a eu à le dire. Moi je dirais pas n'est pas président qui veut, mais je dirais n'est pas président qui n'a pas été choisi par l'Éternel. Donc je crois donc que pour cet âge-là, nous nous devons de lui témoigner toute notre reconnaissance à chaque fois que cela est possible et de toujours et toujours célébrer ses anniversaires. Nous avons été là pour célébrer une messe, action de grâce pour le chef de l'État. L'Église nous recommande de prier pour les chefs d'État et pour tous les responsables de la cité, afin que chacun à son niveau, il puisse assumer leurs responsabilités avec la sagesse qui vient de Dieu lui-même. Le 13 février 2024 à Kribi, jour anniversaire du président Paul Biya, a laissé les traces d'une célébration faste, avec pour objectif non seulement de prier pour le chef de l'État, mais aussi pour le pays tout entier.